Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ouais, je sais, c'est un petit nouveau format qui fait plaisir. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, dites-le moi en commentaire. C'est une petite série que je mets en place, donc tout simplement pour trouver les petits bons plans pour ceux qui aiment le vintage ou des petites astuces ou ceux qui aiment, voilà, qui aimeraient avoir des vêtements à bas prix et qui sont quand même assez stylés ou des pièces vraiment rares, etc. C'est une idée qui m'a été donnée par Elliot, donc merci à toi poteau, t'as toujours été là, merci à toi vraiment. Donc tout simplement, ça regroupe des pièces rares, des pièces vintage, tient donc des personnes indépendantes qui créent leur marque, qui créent leurs produits tout simplement. Ça regroupe donc plein de revendeurs européens, dont des friperies. Il y a même des pièces que vous ne trouverez plus du tout en commerce physique, donc c'est-à-dire en commerce. Si vous allez en ville et tout, vous n'en trouverez pas du tout, ça sera que sur ce site. À savoir que ça ne contiendra aucun article de chez ASOS. Il y a donc 6 catégories. Basement 6, Yappy Yap, Rockit Vintage, Pupsit Vintage, Flash Apparel et pour le dernier, New Retro. Basic 6, ça nous vient de Londres. Ça contient des vêtements streetwear des années 90, un peu vintage. Vous pouvez y trouver plein de marques. Lacoste, Adidas, Nike, Puma, Kappa, etc., etc. Il y a vraiment de grosses marques et des pièces juste sublimes. Yappa App, label indépendant, et pour les femmes. Donc les filles, si vous êtes intéressées par le vintage, c'est là que tout doit se faire. Sincèrement, c'est vraiment une partie du site vintage que pour femmes qui peut vraiment vous intéresser. C'est plutôt sympa pour vous, je pense. Donc jetez un coup d'œil. Rockit Vintage qui nous vient de Londres avec d'énormes marques aussi, Nike, Armani, Adidas, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Comme à peu près Basic 6, vous pourrez retrouver des vêtements vraiment vintage avec des nouveautés aussi si vous voulez. C'est à vous de choisir, il y a pour tous les prix, donc jetez vraiment un coup d'œil. C'est vraiment un bon plan les potes, donc vraiment allez sur ça et dites merci à Elliot en commentaire parce que c'est grâce à lui que je fais cette vidéo. Donc merci encore à toi poto. Pupsit Vintage qui nous vient d'Hongrie, qui est tout simplement une marque indépendante qui retravaille des vêtements tout simplement. Donc ça donne des vêtements uniques, donc jetez-vous dessus si vous voulez. Flash Apparel qui nous vient de Londres tout simplement, qui a été créé à partir de tatoueurs et de designers. Donc ça c'est plutôt sympa pour la petite histoire. Et ça donne quand même des pièces assez monstrueuses. Franchement, c'est une des parties de ce site, de ce marketplace que j'adore. Parce que c'est vraiment des pièces monstrueuses, vraiment stylées et avec un design, mais laissez tomber, c'est à mourir. Et pour le dernier, New Retro, qui est que pour les femmes, encore une fois. Donc voilà, c'est indépendant, c'est une jeune marque qui vient de se lancer à Leeds. Donc pourquoi pas lui donner une chance. Et de toute façon, elle a déjà sa chance pour être sur ce marketplace. Hein. C'est vous tous qui l'avez choisi. Donc bien évidemment, jetez-vous dessus les filles, ça peut vous plaire vraiment, vraiment beaucoup. Pour conclure cette vidéo les amis, merci vraiment du fond du cœur de tout le soutien que vous me donnez. Si vous avez des sites similaires, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. J'en ferai certainement une vidéo si vous me donnez assez d'informations dessus quand même. Et je vous remercie vraiment. Lâchez un gros pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Et pas mal de commentaires s'il vous plaît. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. Peace. Mais pas sur moi. Pouh.